Ouh. J'ai éveillé le Balrog, ça me troue le cul à chaque fois qu'elle dit ça. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode. J'ai des poils qui... des poils de Caragor sans doute, hein, qui me chatouillent le nez. Sans doute à cause du chien, c'est pas grave. Bref, dans ce nouvel épisode de l'ombre de la guerre, chers amis. Du coup, nous avions préparé une trahison monumentale. Mais... Ah oui, c'est vrai, mais si je fais la quête principale surtout... Enfin, si je fais une quête, le temps risque de passer. Bon, j'ai 3 épisodes à tourner dans cette session. Épreuve Grog. Passe une épreuve consistant à tuer un énorme Grog. Bah écoute, ça me semble pas trop mal. Et puis comme t'as l'air d'être un peu limite en termes de durée... Ah oui, il y a toi aussi qui est... Oui, pardon, c'est parce que je mets des vibrations à chacun de mes... mes plus proches amis, pour m'assurer que je les reconnaisse en cas de texto. On va se téléporter là, je pense. On va aller essayer de sauver notre amie. En train de chercher une solution pour une amie qui n'a pas d'internet, en fait, là où elle est. L'internet n'est pas bon du tout, du coup elle a préféré ne pas en prendre du tout pour éviter de se gaspiller de l'argent. Du coup je lui ai demandé si son téléphone était... Alors, j'aurais été curieux de voir... Allez! Tu veux bien? Mais pourquoi je peux pas? Ça y est. Désolé, le chien. J'ai besoin d'un toutou, justement, ça tombe bien. Par contre, je suis désolé que mon épée t'empoisonne. Sincèrement. Il va y avoir grand monde, à part peut-être dans la... Coucou. Je vais quand même... Rendez-vous au point de départ de l'émission, d'accord, oui c'est l'émission. Alors c'est peut-être une des choses que je regrette dans le jeu, une des rares choses que je regrette. En dehors du fait qu'il manque un verrouillage de cible. C'est tout simplement le fait qu'il faille démarrer la mission, que ce soit pas... finalement, si simple et si vivant de devoir le faire. J'aurais préféré, vous voyez, qu'on arrive dans la zone et que la mission se démarre. Après ça aurait peut-être été compliqué à force. Ah bon, bon bah non alors. J'avais pourtant appuyé sur le bouton pour. T'as par contre les sauts qu'il fait des fois. Manger Orkemon. Ah voilà. Aïe. Qui c'est qui ose frapper ma bête? Tiens, bouffe. Tiens, mange. Mange le bestio. Mange le bestio. Mange le bestio. Nourris-toi. Nourris-toi. Ah, c'est pas tant... Elle se nourrit pas tant que ça, hein. Regardez le peu de PV que ça rapporte. On dirait après ça serait pété, hein, mais... Oh bah, non. Non, ce n'était pas lui que je voulais. Bon, cela dit, est-ce que ça me donne de l'XP tout ça? Non. Ok, bon bah de toute façon, je descends. Ah bah c'est bien si tu... Ah bon, bonjour. Écoute, y a pas de souci. On s'occupe de toi. Non, je ne veux... Ah. Quand je vois la tronche que j'ai... exécuter les orques qui refusent de se mettre au sein de lumière... Mais c'est là. Non, c'est pas là, je croyais que c'était là, merde. Autant pour moi. Et voilà, j'y suis. Épreuve gule. Ah oui, oui, d'accord, lui c'est les gules. Ok. Bogle déchiqueteur passe une épreuve consistant à tuer une matriarche gule et sa progéniture. Ça tombe bien, j'ai ma flèche explosive de chargée, ça peut être intéressant, je pense, contre les gules. Ah oui, puis elle est vraiment présente de la mort qui tue, quoi. Bon, très bien. Je vais découper toutes ces saletés de gules puants. À commencer par cette matriarche. Eh ben, ça, c'est l'esprit, c'est l'esprit. Je suis content que tu l'aies. Hop là, voilà, je te fais un petit peu de ménage. Hop, merci. J'aimerais que tu sois de mon côté,
si cela ne te dérange pas. Toi, pareil. Maintenant, aide notre ami. Non ? Allez, vas-y, finis-la. Finis-la ! Oh merde. Tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Un ours. Trahison ! Pour te supplanter. Ah bon ? Tu crois ? Ah ! Bon, sa mission est terminée. C'est parfait. Je suis trahi ! Je suis trahi ! Ah la vache, chaque fois que je fais une mission, ça va. Tu oses me trahir ! Mais attends, ta punition sera sévère, toi. Ah 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 ah. Tiens, bouffe. Tiens, t'es brisé, je vais te remettre dans l'équipe, y'a pas de soucis. Voilà, ne résiste pas. Est-ce que je peux te recruter à nouveau? Oui. Voilà. Alors tu perdras la tête. Non? Bah j'ai essayé le petit crâne que j'ai eu du coup. Je préfère mourir plutôt que d'obéir à un archpul comme toi. Un archpul. Et la tête, et la tête. Alouette, gentille alouette. Alouette, je te punirai. Je t'enlèverai la tête, je t'enlèverai la tête. Et la tête, alouette. Quoi? Ah non, 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 ce que j'ai fait, je suis entièrement d'accord avec ce que je viens de faire. Qu'est-ce que c'est? Épreuve, ghoul bol, échappe à une épreuve, construire tuer la matriarche ghoul et sa progéniture. Encore? Mais tu fais que ça de buter des ghouls. Bon, par contre, en dehors des ghouls, il y a un gros problème de... De quoi? De grog, apparemment. Déplacement rapide, on y va. On se bouge les fesses, on se bouge les fesses, on se bouge les fesses. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une quête que je ne vais pas pouvoir faire, apparemment. Ce qui m'emmerde assez. Compte tenu du fait que je m'étais cassé le cul pour créer une équipe de personnes qui ont fini par me trahir. Allez comprendre. Pourquoi? Comment? Allez, grimpe. Je t'ai venu plus rapide, mon ami. Mon ami Talion. Hop là. Rien, il ne se passerait rien. Rien du tout. Bonjour! L'autre qui s'amuse et fumuse avec son caragor là-bas. C'est mignon, hein, cela dit. C'est tout à fait mignon. Imprévu un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible à prévoir, mais. Impossible à prévoir. Mais sinon. Buff, le maître archer, passe une épreuve que c'est un énorme gorgue. Bah écoute. Ah oui, il a des pointes. Vous avez des points, les autres? Je suis prêt. Lâchez le gros. Oh, la voix qui se tape. La voix qui se tape. Ok. Ah, j'ai essayé, hein. Fais gaffe à toi. Si tu l'aimes, fais gaffe à toi. Voilà. Bon. A survécu à l'épreuve. Niveau obtenu 4. Par contre, ouais, eux, ils sont pas dans la merde. Il faut que je fasse un choix. Je ne peux aider les deux. Et ça m'emmerde. Soyons honnêtes, ça m'emmerde. Je ne peux aider les deux. Alors, nous avons soit à gauche, Moog la corneille. Ça commence mal pour lui, le pauvre. Et enfin... Oh, bah oui, bah je vais aider Ashgarn, l'envenimé. Avec, sur à d'autres caragors, je suis désolé, je plutôt qu'un trou du cul qui a un masque de corbeau,
Ah, par contre, je vais la perdre, ma bébête. Toujours aussi gros, par contre. Ouais, bah passe par là, effectivement. Ouais, pourquoi pas. Voilà, prends Itineris, premier virage à droite, voilà, tout à fait. Puis premier virage à gauche. Je suis pas sûr que tu puisses, non, on l'a pas vu. On va prendre l'escalier, du coup, oui, c'est des grosses marches. Ok, why not. Il y avait une pierre à gauche, j'aurais peut-être dû aller la prendre. Bonjour, tu m'as vu? Oui. C'est un toit en tôle, comment ça c'est un toit en tôle? Non, ce n'est pas grave, je m'insurge, ce n'est pas grave. En plus, je suis pratiquement arrivé. Est-ce que je passe sous le porche? Je passe sous le porche. Oh, puis c'est un face-à-face. Ah bah avec un peu de bol, le face-à-face va pas me faire passer le temps. Ah. Alors, te fais pas règle, Ashgard. Je trouve que t'es tellement stylé visuellement. Oh merde. Ça, c'est un gros. Ah, puis il y a une petite crête. Alors, Janek, le gigantesque. Ça mérite d'être clair. Mais technique 11. Bah les couilles. Pourquoi tu me fais attendre? Tireur d'élite toxique sur Karagor, quoi. Le mec, s'il est pas pété. Ouah, il a des Karagor lui aussi. Allez, vas-y, une petite flèche et c'est bon. Mais allez! Oh, il est bété, quoi. C'est ces gars qui vont faire tout le boulot. Allez! Bouge pas le fion! Bouge pas le fion! Hey, il lui a calé une flèche. Hop là. Raté! Boum! J'ai besoin que d'un petit combo pour t'abattre. Oh! Oh! Oh, à bout portant! Oh, ça a dû faire mal. Voilà! Ça, c'est fait. Et le mec prend la pose. Genre, hyper stylé derrière. Trop cool. Trop cool. Du coup, ça veut dire que j'ai le temps pour l'autre quête. Ah, bah, je vais pouvoir sauver les deux. Je vais pouvoir sauver les deux. Moog la corneille. Bon bah écoute, même si t'as une tronche de cake, littéralement, hein, faut le dire. Hein. Allez, on y va. Canasson, on y va. Le retour de Canasson. On va aller chercher au passage la pierre rouge. Ah. Où est-elle? Ici. Pardon, excusez-moi. Non, je viens juste chercher. Voilà, une gemme. Gemme de guerrier taille. En plus, elle est de niveau élevé. Cool. Par contre, c'est mon équipement qui date un petit peu maintenant. Et c'est parce que j'aimerais bien garder un équipement de 7 et non un équipement de classe normale. Moog la corne. Ah bah c'est quoi? C'est pas non pour chasse. Norsco le pic sanglant. Il est stylé aussi dans ce coup. Il a une bonne tête de Brutas. Hein. Faut reconnaître que là pour le coup, il a une bonne tête. Il y a un piège au milieu. Espèce de larve puante. Rattrapez-le! Tu mourras jamais, Limas. Il y a un piège au milieu, on est d'accord, hein, c'est. Tiens, si t'es pris une flèche dans le genou, ça fait bizarre. Voilà. Ah merde, je l'ai enragé. Faut y aller que niveau 11. Enragé par le froid. Ah merde! Hop, celle-là, tu l'as senti passer? Bonjour! Je voulais le conduire dans une embuscade, imbécile! Tu vas me le payer! Il a une bonne tête, hein! J'ai des infos sur lui? Non! Oh! Oh! Bah si, je l'ai vu de l'intérieur! Ah! Dieu! Aïe! Jamais je m'occupe de ton maître. Voilà. Il est stylé, hein, je le prends. Enfin, il a une bonne tête en tout cas. Puis ça remplacera le. Ça remplacera le mec que j'ai perdu, j'imagine. Va espionner le chef de guerre, s'il te plaît. Merci. C'est bon. Avancer dans le temps, malheureusement. Et c'est la seule quête qui me reste. Cool, cool, cool. Ce qui veut dire... Ça c'est quoi? On est en ligne, Twist. Twist est mort, merde. Ce qui veut dire que quand on fera celle-ci, encore une épreuve de ghoul pour Bulg... Non, par contre, vous calmez.
Vous avez raison. Lumière elfique. Ah ah. Le tue pas. Merde. Tant pis. Pas grave. Allez, on y va. Waouh, je dois avoir plein de poils sur le visage. Quand j'ai dû laver le visage ce matin, ça a dû coller les poils. Ah. Ouais, c'est dans les cils peut-être aussi. Bref, les poils de Caragor, c'est normal. Vous inquiétez pas. J'aurais dû appeler mon chien Caragor. Ou Canasson, ça dépend. Bah non, Canasson, je peux pas lui monter dessus. Mais bon, le problème c'est que c'est un Caragor, mais... Et que je peux pas monter, c'est la tristesse. Remarque, un chien canasson, c'est une bonne oxymore. Hein. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une oxymore vu que c'est pas opposé l'un à l'autre, mais c'est très différent. Ça y est, il se rend compte qu'il se fait que ça en fait, que se taper des gules. Dit comme ça, c'était chelou. C'est le nombre qui me gêne. Si tu veux bien reculer. Oh. Hashtag le mec est stylé. Je sais pas si je peux. Oh la vache. Par contre ouais, t'as pas beaucoup de... J'ai pas de flèche. Je vais l'aider un peu. Alors c'est toi qui a un... J'ai pas d'elfe, de tir d'elfe. Et je suis empoisonné, je n'ai pas compris par quoi, sans doute par la matriarche. Mais je voudrais pas perdre Bulg. Ah merde! C'est pas bien cette planque. Cela dit, il est là d'être en tête. Oh merde! Perte de... Merde, j'ai pas vu. Perte de concentration. Je suis désolé, c'est pas toi que je voulais tirer. Perte de domination peut-être. Je suis désolé, je voulais pas faire ça. M'en veux pas. Bulg. Non c'est bon, vous l'avez eu. Cool. Ah je m'en contrefous de la monde d'état en ligne. Voilà, moi ce que je voulais c'est que Bulg voilà. Bulg Bulg ne m'en veut pas. Bulg ne m'en veut pas. Armée. Voilà, on est bon. Dirige peux voir là. Ce monsieur... oui, non, c'est celui-ci. Ah bah oui, ce monsieur, c'est bon. Attirer... Ah bah non, il est pas... Bon, pourtant, il a plein... Comment tu veux que je... Non. Il ne fait que jouer les espions. Bon bah... Makou, l'inébranlable. Ça, c'est où, ça? Oh, c'est juste à côté. Bon, on va le faire. Tant pis, hein. Je vais l'attirer, et puis... Je vais... Merde, j'ai pas... Je l'ai pas sélectionné. Voilà, il est juste devant la porte, vous avez remarqué? Par là? Par là. Enfin, en tout cas, juste devant ou derrière ou juste à côté de la porte. Ce qui est une bonne entrée en scène pour l'attaque du château plus tard. Ah, j'ai besoin de gagner de la santé apparemment. Alors, en tête en ce moment, j'ai beaucoup... Les chansons, les musiques pardon, de comment de World of Warcraft. Et honnêtement, ça me gêne presque. Parce que je les ai vraiment en tête, genre j'y pense tout le temps. Dès que j'entends une musique, j'ai l'impression de me dire ah. Ils se prennent pour des dompteurs de bêtes. Leurs bêtes ne nous empêcheront pas de prendre leur forteresse. Effectivement, il a entièrement raison. Celebrimbor. Attirer nos oncles en tuant des vagues d'ennemis. Vendu, je sais faire ça. Mouahaha. Ce chef de guerre fait confiance à son système d'alarme. S'il se déclenche, il viendra là où nous l'attendons. Faites atteindre 25 à votre compteur de coups. Ah, quelque chose qui me dit que c'est faisable ici.
Aïe, ah bah c'est faisable, mais faut que je sois bon quand même. Aïe, Marcus, concentration. Oh la vache, il est balèze, lui. Eh, bon. Vous autres, les mecs avec des boucliers, on va s'en occuper. Aïe, mais merde! Putain, et en plus, il y a les archers. Ah, mais je suis. Concentration, Marcus! Hop, voilà, allez! Voilà. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Vache, mais laissez-moi le temps. Solide toi. Hop les. C'est bon, 26, c'est bon. Aïe. Tu ne mourras pas! Saleté! Je déteste les archers dans le jeu, ils font super mal. Voilà. Enfin, en vrai, les archers sont censés faire super mal. C'est mortel, une flèche. Enfin, même pas, j'appelle ça des archers, mais c'est pas des archers en plus, c'est des lances. Des lanciers, oui, c'est ça? Enfin, quoique. J'ai un doute sur la terminologie. Voilà, merci d'être venu! Ah! Nourouk! No rock. Enfin. Ah mais il y a des potes à moi. Bah oui voilà c'est ça. Ah bah voilà donc la trahison fonctionne. Non. Il ne t'a rien fait. Merde, il va tuer mes mecs. Ne les tue pas. Oui vas-y butez-le. Butez-le. Merde je vais louper tout ça. Ah. Enragé, terrifié, il y en a un qui est terrifié. Qui c'est le trou du cul qui est terrifié? Il est niveau 20 en plus. Enlevez-moi ce tarc. Attendez, ne le butez pas. Oups. Terreur des Karagor. Ah oui. Effectivement, ça n'est. Non, ça c'est un copain. C'était pas le banc? Si. C'était le banc. Recruter, ça avait l'air d'être le banc. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Oh mais non! T'es un gros baraque et t'es une petite voix! Pourquoi? Ne peut dépasser le niveau de Talion, d'accord, ok. Pas de soucis. Pas de soucis. Bonjour! Tu es avec nous, n'est-ce pas? Oui. T'en es terrifié, il n'est donc plus avec nous? Voilà, tu es à moi. Accepte-moi. Putain, mais il le dit plus, le tu es à moi. Hop. Putain, on recrute tellement de gens. Hashtag tout le Mordor est à moi. Cool. Bah écoute, bas en retraite. Je file. Faut que je donne plus d'or par contre. Hop. Est-ce qu'on a eu le... Oui, j'imagine. Du coup, faudrait peut-être que je regarde au niveau de l'armée. Puisque ça doit être au niveau de l'armée qu'on va voir ce qu'on a comme... Est-ce que ça veut dire que... Ouais voilà c'est ça. C'est pas lui que j'ai eu. Par contre, faudrait que j'ai réussi ça. Ordre. Sert de garde du corps, forcément. Est-ce que je peux? Non voilà. Je suis obligé d'accomplir des quêtes. Pour interagir avec ce personnage. Bon. Bon bon bon. On est à 24 minutes, on a encore le temps pour une petite quéquette. Ah, eh. Je parle de quéquette, s'il te plaît. Respecte-moi. Soit on fait ça. Ah bah ça doit être ça en plus. Soit on va se faire la petite quéquette des 3 tours. Je pense qu'on va se faire la petite quéquette des 3 tours. Ah, déplacement rapide n'est pas disponible. Ah bon? Parce qu'il y a peut-être un petit peu trop de monde autour de moi, effectivement. Je confirme. Attends, non, je m'enfouis.
Quand tu es dans ses bras, je m'enfuis. Est-ce que tu rêves de moi? Je m'enfuis. C'est vrai que j'aurais pu utiliser la... la rage elfique pour faire le 25 coups aussi, au passage. Ça aurait été une facilité déconcertante. J'avais oublié que ça me ralentirait. Par contre, ça devrait accélérer les choses. Je peux pas le refaire. Bon bah d'accord, ok. Salut! Mais je cours plus vite que vous. Surtout quand je me cache. Plus personne ne me voit. C'est les Buissons. Les Buissons sont lavés. Bref. Tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas vu. Pouf! Quoi? Cette technique de ninja? Ah bon, moi aussi, regarde. J'ai du grog en réserve pour toi. Ah! Le feu, ça brûle! Bonjour! Au revoir! Bonjour! On peut passer par là? Non, il y a un trop gros trou. C'est vrai que j'aurais pu appeler un Caragor aussi. Ah, il va me falloir un petit coup de drainage aussi, je pense, un de ces quatre. Ce serait peut-être pas mal. Voilà ma future cible. Je vais avoir des indices sur eux. Agenouille-toi! Merci. Oui, tout à fait, c'est lui que j'aimerais avoir. Ah merde, tu peux pas. Boah. Vas-y, fais péter des renseignements sur lui. Pourquoi il y en a qui ont le cercle rouge en dessous? D'accord, j'ai des capitaines. Étrange. J'espère qu'ils vont pas me trahir. Tête fragile, hébété par la furtivité, épuisement. D'accord, dégâts par la trahison, dégâts par l'addiction, dégâts par la... Il est stylé par contre le bonhomme. Hein. Allez. A tout à l'heure. Bah oui, occupez-vous du Caragor, y'a pas de soucis. Ne me regardez pas. Ce qui est bien, c'est que le temps que je traverse, c'est vrai que j'aurais pu aussi tout aussi bien me téléporter dessus. Maintenant que j'étais parti. Mais bon, tant pis. J'ai dit que j'allais faire cette mission. Je vais donc la faire. Tant pis, hein, c'est... Coucou. Tu veux voir ma... lame de feu? Où est la zone? Voilà, on va faire ça comme ça, ça va être plus simple. Le roi sorcier tente... Quoi? Mais je t'ai rien fait. Eh, je suis chez moi encore ici. Hein, que je sache. Y a un Caragor, un grog noir. What the? Aïe. Y a pas qu'un grog. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Y a pas qu'un grog noir. Y a beaucoup trop de choses. Non, c'est pas grave. Putain, il me saoule. Merci pour la santé. Hop. Eh ben dis donc. Il va être temps qu'on puisse attaquer ces Nazgûl. Enfin, ces... Comment ils appellent ça? Je sais plus comment ils appellent ça. Merde. C'est pas le bon bouton. Marcus, c'est pas le bon bouton. C'est pas le bon bouton. Faut pas que je me trompe dans la prononciation, l'annexe. Bestiaire. Culte orc, bestiaire. Un Drake, oui, tout simplement, oui, Marcus, t'es complètement con. Hop. Mais tu permets, je commence ma quéquette. Merci. Eltaï, elle a repéré les Nazgûl dans les environs. Fouillez la zone pour découvrir ce qu'il trame. Cool. Vendu. Ah oui. Sorcier des tiens
Raikir. Il te suit à la trace. Et bientôt, il te dominera. Vite! Ils ne doivent pas reprendre les Haïdir. What? Ils ne pourront pas. Nous avancerions plus vite avec un Carador. Où tu vas? Il faudra trouver Eltharion pour lui expliquer ce qui se passe. Elle nous observe peut-être en ce moment même. Allez, bouge-toi le fion. Oui, c'est moi. Alors, j'ai pas vu si le temps continuait. Aïe, putain, il est solide lui. Allez, nourris-toi parce que là t'as besoin de manger. Voilà. Allez, tu vas me lâcher toi. Oui, je le sens. Aïe, ma bébête. Ma bébête. Tu permets? Voilà. Je change de monture. Si cela ne te dérange pas. Et vu que tu attaques à mes bébêtes, tu ne mérites pas de vivre. Désolé d'avoir à te le dire. Croche l'élu. T'es trop près des Nazgûl pour venir chez moi. Ça aurait été une bonne idée, hein. Je n'en doute pas. Impossible de savoir ce qui se passe dans la tête d'une elfe. Mais cette Galadriel a dû choisir la meilleure. Je ne doute pas qu'elle soit la meilleure, mais qu'elle soit la première. Ah, je vois. Il y en a qui sont décédés avant elle, quoi. Autrement dit. Je sais pas qu'il y avait autant de choses autour. Oh si, sans doute. Bonjour. Je reprendrai cette tour pour le roi sorcier. Ils sont tous élus, vous avez remarqué? Dans son ombre. Non, non. Je suis un élu. Non, non. C'est tous ceux qu'on a pu chercher. Je demande pardon. Un bouffe. Alors là, mais t'as voulu faire quoi là? Pas ce qui était prévu. T'es blessé. Jamais tu ne vaincras, Globe. Ok. Pas autre chose. J'ai oublié qu'il était anti-saut. Tiens, bouffe ça dans le nez. Voilà. Finalement, tu sais quoi? Je vais te mettre de mon côté. Vu que, après tout, t'auras peut-être des informations utiles. Recruter. Ok, tu finiras donc avec un problème de coup. Il me fait chier celui-là à faire ça. Hop, désolé, c'était pour éviter le coup de ton ami. D'ailleurs, en parlant de coup, je pense que le tien va y passer. Ah non, ce sera pas ton coup apparemment. Si, non, si, non, si, non, non, ça sera pas le coup. Plus de face comme ça. Ouais, alors, le coup, moi ça fait une demi-heure que j'appuie sur... Ok. Ah, et là qui est pas bien par contre apparemment.
Et de 1, bah alors. Tiens, donne-moi un petit peu de santé. J'ai peur qu'il y ait un autre combat derrière. Aïe. Celle-là, je l'ai pas vu venir. Ouf. Oh, oh. Atteignez la troisième, quoi ? Ouah ! Ils sont plutôt obstinés. Les Nazgûl ont raison de créer des serviteurs. Allez, aussi. Allez ! Mais putain, même putain de si bout de bois. Sont puissants, c'est pendant le rituel. Mais allez ! C'est vrai. Quand nous aurons toutes les tours. Allez, on y va. On se dépêche. On se dépêche. En plus, c'est une mission chronométrée. Forcément. C'est quand t'es pressé que t'as une mission qu'on a maîtrisée qui arrive. Non, toi je t'évite. Quoique t'as l'air pas en forme. Mais t'es pas suffisamment rapide pour moi, je pense. Malheureusement. Belle bête. Ouh la belle bête. Salut. Bon. GTA. Enfin GTO, grande. GTC, Grand Theft Caragor. Tu te sens en forme ? Bouf ! Oh merde, c'est pas le bon ! Aïe ! Oh, celle-là m'a fait mal, je vais bien le reconnaître. Ah oui, Ogbour. Ogbour ? Bon, alors j'ai compris que je pourrais pas te... Et toi, je peux te faire partie de mon équipe. Et toi aussi, Roder. Non, tu veux pas? Ah. Aïe, aïe, aïe. Boum. J'ai besoin d'un copain. Ok. Il est juste là, hein. Aïe. Attends deux secondes, j'ai un problème avec ton sous-fifre. Je l'ai vu, mais... Aïe. Lâche-moi. Ah, vache. Je m'occupe de lui. Voilà, désolé. Ça va te faire très très mal. Tu ne tueras pas si facilement. Oh non ! Oh si. Ah bah non, apparemment. Ah, gros sac. Il va me falloir de la santé. Aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Casse-toi! Tu pues! Aïe! Vous commencez. Ah, c'est pas ce que je voulais. C'est pas toi que je vise. Alors, ce qui m'emmerde, c'est que j'ai perdu. Aïe! Et je perds énormément de points de vie! Ah! C'est pas ce que je voulais faire. J'avais récupéré mon ult. Merci quand même. Ah, c'est tendu du slip. C'est pas lui non plus que je voulais. Mais merde. Dégage de mon chemin. Oh bah pourtant je l'ai fait, hein, j'ai appuyé sur... Ah non, c'est peut-être l'onde de shot de lui. Désolé, pas cette fois. Moi aussi je peux le faire, le trompe la mort. Désolé, ça aussi je peux le faire. Aïe. Aïe. Ils font tellement mal. Ah. Pourquoi t'es en or toi? Aïe. Oh merde, je suis mort. Bien joué,
Bien joué, bien joué, bien joué. Faut reconnaître que le mec qui trompe la mort, c'est un peu... C'est un peu pute. Pourquoi tu me fais la tête? Ça, par contre, faut arrêter de copier j'allais dire Dark Knight, mais... Batman Arkham Asylum, hein, clairement. Hein. Hein, les gens, faut se calmer. Hein. C'est tellement stylé, quoi, tu voyais dans Batman. Bon, on a perdu. Ces élus sont plutôt obstinés. Les Nazgûl ont raison de créer des... Donc finalement, le Grog, c'était peut-être pas une si mauvaise idée. Même si les élus sont puissants, c'est pendant le rituel... Le Grog. ...permettant de les créer qu'ils sont plutôt les plus faibles. Le Grog, c'est... C'est vrai. Quand nous aurons tous les tours, nous devrions essayer de... Vous savez quoi? Et pourquoi pas, comme on dit. Vous êtes un petit peu en retard par rapport à tout à l'heure, par contre, malheureusement. Mais ça devrait pouvoir s'arranger, voilà. Et on se casse. Voilà, j'ai trouvé un peu plus gros pour le Nazgûl. Ça devrait être un peu plus chiant pour lui, je présume. Et apparemment, c'est tout aussi rapide. Est-ce que je passe dans la grotte? Pute. Forcément. J'aurais dû y penser. J'aurais dû y penser, et ça va être short en termes de temps. Et je ne peux pas, parce que je n'ai pas de flèche. Quoi? Quoi? Ah, ça doit être le mien. Je présume. Oui, alors il n'y a pas que un Caragor, mais sur le principe, oui, je comprends. Ah oui, parce que là, je vais quand même y aller un peu plus sérieusement. Hein. Voilà. Désolé. D'accord, il a pas voulu que je fasse une... T'as été rapide, toi, dis donc. Tiens, bouffe celle-là. Voilà. Tu permets, j'ai encore un truc à faire. Tu permets, j'ai encore un truc à finir. Permettez, les mecs. Et merde. Bah alors, tu te remets pas? Voilà, ça fait mal. Hein? Dis-moi, tu restes de glace? J'ai l'œil gauche qui part en sucette. Ouais, pour la première fois de ta vie, quoi. Par contre, apparemment, t'aimes toujours pas la glace. Et celui-là, tu le sens ou pas? Ouais, hein, il me semble. Aïe. Désolé. C'est après votre pote que j'en ai. Aïe. Voilà! Ça y est, je l'ai purifié, lui, carrément! Et votre pote, le Nazgûl, il est où? Voilà, bonjour! Ohé, ohé, capitaine, abandonné! Voilà, merci d'être venu, au revoir! Bonjour! Tu permets, je recharge mon ult! Non, non, tu ne peux pas non plus. Toi, tu peux pas rester. Toi, tu vas. Non, toi, tu peux pas sortir du coin, toi, par contre. On va dire ça comme ça. Non, dégage. Ah, bien joué. Et moi, je peux te faire un petit coup comme ça? Bah oui, tu vois. Ça fait mal. T'es sorti du coin, t'as osé. Bah alors, ça fait mal? Ah. Désolé, ça ne passera pas. Alors apparemment, je suis en train de regarder, mais son truc ne devient pas bleu. Je peux pas l'envoyer au sol, ce qui me semble logique. Qu'est-ce que t'as essayé de faire? Bien joué. Je t'ai vu essayer.
Voilà, alors, voilà, c'est bon. Ah, c'est bon, d'accord, c'est fini. Je pensais pas qu'il popperait comme ça. Bon, bah 45 minutes d'épisode, c'est pas grave. À chaque tour que okay. Nous récupérons, la vision du roi sorcier diminue. Bah, c'est une bonne nouvelle. Nous ne nous contenterons pas de lui voler sa vision. Oui, si tu veux. Du coup, ici nous avons... Chaîne, ah oui, chaîne spectrale, ça va être complètement épique. Spectre mortel, je sais pas si ça va être aussi... J'ai l'impression qu'on l'a déjà, en fait, plus ou moins. On va voir ce que c'est vraiment dans le détail, mais... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on l'avait. Ça, c'est quoi? Pas assez de bonne aptitude pour déverrouiller. Réussissez votre dernière chance au parfait moment pour tuer instantanément l'ennemi que vous voulez. Ouais, trop risqué, je pense. On pourra le faire, on le prendra, hein, mais trop risqué. On le prendra dans deux points, quoi, finalement. Vu qu'il reste plus que deux points à débloquer. Mais bon, voilà. Ok, du coup, en termes de mission, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, pas grand chose. Grog, ma bad. D'accord. Et tout ça, ça n'apporte rien en dehors de. Ah, des points d'aptitude quand même, hein. Ah, peut-être que j'allais les faire en live un de ces soirs. Ça pourrait être sympa. Ok. Et donc, il nous reste plus que ça, la prise de la truc. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, dans le prochain épisode, on prendra la base ennemie. Et on se retrouve, en tout cas, dans ce prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et partager les vidéos. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!